Un homme rentre chez lui. Il a été longtemps absent, très longtemps. Trop longtemps peut-être. Il revient bien différent de ceux qu'il était en partant. Extérieurement, il ressemble à ces silhouettes plantées dans les champs pour effrayer les oiseaux et parfois les hommes au crépuscule. Intérieurement aussi. Mille jours durant, il a attendu dans le froid. Et pour rentrer, il a dû payer d'une rotule. Après avoir attendu mille nuits dehors dans le froid, il peut enfin rentrer chez lui. Un homme rentre chez lui. La vie qui l'attend ressemble à un film hallucinant. Plusieurs fois pendant la projection, il doit se pincer, ne sachant pas s'il rêve ou s'il est éveillé. Il s'aperçoit qu'il y a des gens à côté de lui qui vivent la même chose que lui. Et il se dit que ce doit bien être la vérité. À la fin, lorsqu'il se retrouve dans la rue, l'estomac vide et les pieds gelés, il se rend compte que c'était un film ordinaire. Tout ce qu'il y a de plus ordinaire. L'histoire d'un homme qui rentre chez lui, comme tant d'autres. Tous ces gens qui